À Bordeaux-Bègles, Lionel Boxis a retrouvé le sourire. Même l'idée de défier le champion d'Europe et de France en titre ne l'effraie pas. Ouais, c'est un très très gros match qui nous attend, mais ouais, ça reste un match important, tant plus que c'est à domicile, donc voilà, on s'attend bien sûr à une très grosse partie. On a le soutien magnifique de notre public aussi qui nous transcende et voilà, tout aussi jouer ce genre de match contre Toulon ce week-end, ça apporte de la motivation. À 29 ans, Lionel Boxis vit une deuxième carrière chez le 6e du top 14. La saison dernière, le Tarbé formé à la section paloise se morfondait à Toulouse sur le banc de touche. L'arrivée à l'UBB l'été dernier de l'ancien ouvreur du 15 de France l'a donc totalement relancé. Ça se passe très bien. J'ai pu faire une très très bonne préparation avec un Ludo Lousteau qui m'a fait perdre du poids aussi. Donc en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je trouve une super ambiance ici. Voilà, c'est un club très familial et on bosse, mais on rigole aussi. Il lui manque un peu cette rage d'y arriver, parce qu'avec le potentiel qu'il a, ça serait le meilleur ouvreur français depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il va vite, on l'a vu percer, il a des gestes techniques de grande classe, il a un jeu au pied hors norme, parce qu'il est précis, il est long. Après, c'est avoir envie, lui, on en a parlé souvent, et il faut qu'il se force son caractère à être un patron. Un patron expérimenté, double champion de France avec le Stade français et Toulouse. À l'arrière ou à l'ouverture, Lionel Boxis a donc encore de beaux jours devant lui.